et dire que pendant ce temps-là, on pourrait être à cheval. Car à cheval, on l'était, chers amis, il y a quelques jours, à cheval entre les Landes et le Gers, à l'élevage vergoyant de Benoît Terrain, chez qui nous avons retrouvé Louis Lafitte de l'élevage L'Escriba. En effet, les deux amis et l'associé vont nous présenter le jeudi 23 septembre prochain, à l'occasion du grand show anglo de la Teste, une certaine Juju Vergoyan, une fille d'Olzard de Cologne et Mona Lisa L'Escriba, que nous vous proposons de découvrir sans plus attendre. L'origine maternelle, c'est ma lignée, la lignée L'Escriba, qui est toute une lignée sélectionnée sur l'obstacle. Et quand Benoît m'a sollicité pour essayer de faire une souche anglo-arabe, donc je lui ai proposé la sœur de Moussu L'Escriba, qui était gagnante du prix Stanley. Et nous sommes tombés d'accord et nous avons fait déjà deux produits. Donc un premier produit qui a été vendu à M. Hector de la Jeunette et M. Conquedo. Et le second produit qui est ici, c'est une femelle par Olzard Colong. C'est un cheval que nous avons choisi parce que, étant d'un modèle plus ramassé, la jument étant une grande jument de 1,74 m, nous avons essayé de faire ce croisement. Et je pense que le produit est quand même assez bien réussi. J'ai une pouliche qui présente vraiment un très bon corps et une masse musculaire importante. Elle a beaucoup d'étendue, elle est bien dessinée. Moi, elle me plaît, donc disons, dès sa naissance, j'ai eu le coup de cœur. On est content de ce croisement-là, parce qu'on espérait trouver un animal dans cette conformation. C'est-à-dire pas peut-être une grande pouliche, mais très qualiteuse. Et comme disait Benoît, avec de l'étendue, une bonne épaule. Peut-être qu'aujourd'hui, elle n'est pas très représentative, mais je pense qu'elle le sera pour le mois de septembre. Pour le moment, j'ai présenté 4 chevaux au show anglo-arabe. Les 4 ont trouvé une solution de carrière. Donc, quand on gagne, on continue.